Mercredi 7 novembre 2018, le matin à 8h à l'hôtel. Grimpons au sommet du mont Fuji, qui domine la ville d'une centaine de mètres. La cage aux oiseaux. Les enfants, si vous voyez des petits oiseaux prisonniers, ouvrez la cage de la liberté. Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux. Laissez-les s'envoler, c'est beau. C'est moi qui ai fait ça. Vous voyez des petits oiseaux prisonniers. One, two, three, four, 2, 1, 0. Les oiseaux feignants. En fait, faut lancer la cage. Non, faut lancer la cage. Il se démerde devant l'oiseau. Il n'y a pas une petite trappe en dessous. Non, c'est sur le côté. Bon, là, je suis en train de gaspiller de la pellicule. On a quand même deux professeurs. On a même un prof de SVT à gauche. Oui. Il a vachement balèze. Un prof d'histoire agrégé à droite. T'as qu'à l'écraser avec ton pied. Au milieu, une architecte. Excusez du peu. Eh ben, regardez le merde. Ah, t'es en train de faire une vidéo. Non, bah ouais. Toujours devant. Arrête. Va, décale un tout petit peu. Et ça, c'est un oiseau furtif. T'as vu, il est parti se reposer sur l'arbre. Il revient, il revient. Il veut pas, il veut pas. Ils vont le laisser. Ouais. J'ai raté. Bon, vas-y. Et écrase-le avec ton pied. N'oubliez pas de faire votre vœu. T'as fait ton vœu, mignon. Tu vas la cage sous. Là, il peut sortir. Ouais. Bravo. C'est un mausolée, en fait, en référence à celui qui a amené le bouddhisme ici, dans la région. Thank you.
direction le restaurant pour le déjeuner. Ce temple somptueux date du milieu du XVIe siècle.